le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Jésus. May the glory be given. Qui est en joie ce soir? Who is in her joy? Si tu es en joie, manifeste ta joie. If you are dying, manifest. Manifeste ta joie. Manifest your joy. Manifeste ta joie. Manifest your joy. Manifeste ta joie. Manifest your joy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Que la gloire soit rendue. May the glory be given. Au Seigneur Jésus. To the Lord Jesus. Prions. Let's pray. Seigneur Dieu de gloire, Lord God Seigneur, of glory, tu nous as inspiré ce programme. You inspire this program. Afin que ton peuple soit édifié. And your people should be edified. Seigneur, ce soir, Lord, this evening, nous ne voulons pas parler we par don't nous. Want talk by ourselves. Puisque tu nous as communiqué un message. Because you communicated us Seigneur, a message. Que la chair et ses pensées Lord, disparaissent. May the flesh and his thoughts disappear from us. De nous, les prédicateurs. Et du peuple. From our the predicator and the people. De sainteté, l'esprit May de gloire. The spirit of holiness, l'esprit the spirit de vérité. Of glory, the spirit of truth. L'esprit de vérité. The spirit of truth. Puisse se manifester. Manifest Seigneur, now. Par ce message. Lord, by this Seigneur, message. Brise chacun de nous. Broken each of et us. Et mets-nous sur le chemin de la vie éternelle. And put us on the way of the eternal life. Au nom life. De Jésus, j'ai prié. In the Amen. Name of Jesus, we pray. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse puissamment. People of God, may God bless you powerfully. Nous sommes dans un moment de prière, dans un moment de consécration. We are in a moment of praying and consecration. Qui a pour thème, levons-nous et bâtissons. Who has for frame, let's get up and levons-nous build. Levons-nous et bâtissons. Let's get up and build. Et par la grâce de Dieu hier. And by the glory of God yesterday. L'orateur d'hier nous a. The teacher. Communiqué. Communicating la généalogie même de Jérusalem. The branches of Jerusalem. Selon ses ancêtres et selon les alliances que according Dieu a fait avec ancestors Israël. And all the covenants nous avions God compris Israel. La source du problème de Jérusalem. And we understand the source of Jérusalem problems. Et comme en ces derniers temps, nous sommes aussi because un peuple last que Dieu a choisi. And we are chosen people. Il est important que nous puissions it is important entrer that en profondeur encore. We should enter deeply pour continuer ce que l'orateur d'hier a to commencé. Continue what the teacher of yesterday que started. La gloire soit rendue à Jésus. May the glory be given to Jesus. Et le Saint-Esprit me the, met à cœur, me the dit Holy Spirit is telling me de parler au cœur du peuple de Dieu. To tell to the heart of the people of God. De parler au cœur de Jérusalem. To talk to the heart of Jerusalem. Ce soir, je parlerai au cœur de Jérusalem. This evening, I want to talk to the heart of parce Jerusalem. Que j'ai un message du Seigneur à vous communiquer. Because I have received que a message of la Lord gloire, to l'honneur soit rendu à Jésus. May the glory and the honor be given to Jesus. Amen. Amen. Lisons Néhémie 1, le vers, du premier verset au verset 4. Let's read the book of Nehemiah. Néhémie chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Susse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Ici nous voyons here we saw le début d'une histoire the beginning of the story de la mission d'un homme de Dieu appelé Néhémie. Of a man of God called Nehemiah. Ce passage que nous venons de lire this passage you read de relater is talking la problématique même de la vocation de la mission de l'homme de Dieu Néhémie. The problematic of the vocation ce qui of a suscité Néhémie a accompli une œuvre de la part de what l'Éternel. Nehemiah to accomplish a work from God hier, nous avons compris comment Jérusalem yesterday, a été ruinée. How Jerusalem was selon destroyed. La réalité, selon the les histoires bibliques.
According to his biblical history. Et nous avons compris que cette ville qui était une ville sainte, une ville précieuse devant this Dieu. This town was precious in front of God. Ces murailles ont été ruinées. Their walls were ruined. À cause de plusieurs raisons. Because of many reasons. Mais en autant dans l'église du temps de la fin. In our time of the que church représentent of the last ces murailles? Time, what represent those walls? Au verset 3, nous voyons clairement qu'il est mentionné clearly, des murailles de Jérusalem. It was mentioned walls of Jerusalem who was on ruin. Et ces portes sont consumées par le feu. And the gates are burned by fire. Quelles sont ces murailles qui sont en ruine? What are those walls who are in two ruins? Quelles sont ces murailles qui sont en ruine? What are them? Et qu'est-ce que le Seigneur veut pour la restauration de ces murailles? What the Lord want for the restoration of those walls? Nous voyons le thème qui dit we saw the film said, levons-nous et bâtissons. Let's get up and build. Levons-nous et bâtissons. Let's get up and build. C'est-à-dire Néhémie et that tous les ouvriers qui, ont, qui se sont associés à lui who associate with se him, sont levés pour bâtir. Were risen and built. Mais aujourd'hui, en octobre, dans l'église du temps de la fin, time, at the church of the selon last la révélation, que représentent ces murailles? According the revelation, qui what sont is the representation of those walls? Que représentent ces murailles? What is qui ont été renversées, qui ont été anéanties? Destroyed depuis des temps et qui doivent être relevées, rebâties. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Lisez le verset 13. Verse 13. Néhémie 2, le verset 13. Néhémie 2, verset 13. Néhémie 2, verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Ce soir, nous devons considérer quelles sont les murailles de Jérusalem qui sont en ruine, selon la révélation. Quelles sont ces murailles qui sont en ruine? What are the walls who are in ruins? Selon la révélation, according to the revelation, Jérusalem est Jérusalem la nation sainte. Is the holy nation. Pour nous, for us, pour notre compréhension, to our understanding, Jérusalem est la nation sainte. Jerusalem is choisie, holy précieuse, nation, aujourd'hui en notre ère. In our time. Lisons 1 Pierre 2, le verset 9. Let's read the book of 1 Peter 2, verse 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oui, oui. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable gloire lumière. Au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Selon l'histoire de Néhémie, nous according comprenons que Néhémie story, oui, Jérusalem dont il est question Jérusalem we are talking est about, Jérusalem, is Jérusalem étant une nation physique who is a physical nation, étant une nation de paix a qui est une nation physique peace, who is a physical une nation, nation que Dieu a choisi précieuse a nation God has chosen dans les nations un peuple inside all the nations, d'Israël qui, a people of Israel that God has consecrated pour en faire un peuple qui habitera le sanctuaire, le temple de Dieu, who will live into the sanctuary, et tout le sacrement, les activités, and all the activities du sacerdoce, of the sacerdoce, les activités sacerdotales du peuple de Dieu, work dans son œuvre, dans le Ancien Testament, into the New Testament. Mais aujourd'hui, but today, quelle est cette Jérusalem? What is that Jerusalem? Parce que l'autre Jérusalem, because the other Jerusalem, a été ruiné, was ruined. Mais aujourd'hui, quelle est cette Jérusalem? What is that Jerusalem? Nous voulons comprendre que, we understand now, nous sommes cette nation sainte. We are that holy nation. Selon la révélation, according to revelation, l'Église est cette nation sainte. The church is this saint la race nation, élue, the chosen le race, peuple acquis, the chosen people. Donc l'église est cette Jérusalem. Church is that étant Jerusalem. Une nation, being a nation précieuse devant precious Dieu. Inside que God, Dieu a choisi. That God has chosen. Alléluia. Amen. Maintenant cette église. Now this church. Qui que nous sommes. That puisque dit, the scripture says, vous êtes une race élue. You are chosen. Une nation race, sainte. You are holy nation. Cette église que nous sommes. This church that we are. Nous sommes le corps de Christ. We are the body of Christ. Cette église est this le corps du Christ. Is the body of Christ. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Cette église est le this corps du Christ. This church is the body of Christ. Avec les membres. With all the members le corps du Christ. The body of Christ. Lisez-moi le livre de 1 Corinthiens 12 verset 26. Let's read the book of 1 Corinthians 12 verse 25. Vous êtes le corps de Christ.
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Amen. Donc, cette église, this church, est le, la nation sainte. Is a holy nation. Selon la révélation. According to revelation. Selon la connaissance, nous avons compris hier according que to knowledge, c'est Jérusalem qui est la nation sainte que tu avais choisi précieuse. That God has precieusely mais dont les murailles ont été ruinées and à cause de l'idolâtrie, de la désobéissance of et du péché. And for sins. Mais selon la révélation, nous comprenons aujourd'hui today, que c'est l'église that qui is est church, cette nation sainte. Who is that holy nation? Puisque nous sommes l'église, l'apôtre Paul dit because vous êtes we are church, if la nation sainte. Apostle Paul said we are a holy nation. Et nous sommes he's l'église. Talking about us and we are parce a church. Que nous sommes un rassemblement. Because you are a gathering de ceux qui ont été sauvés. For those who are saved. Pour appartenir to belong au corps du Christ. To the body of Christ. Et l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 12 verset book of 1 Corinthians 12 ce corps that we are that body du Christ. Of Christ, avec ses membres. With all his members. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Nous sommes you understand me? We are going. Nous sommes au début. We are the beginning. Nous sommes le corps du Christ. We are the body of Christ. Donc la ville. So the town. Saints. The holy plus town. Plus Jérusalem physique. Is not a physical en Jerusalem. De la grâce à laquelle, at laquelle that nous sommes. Time of la ville grace, sainte yeah. Est la nation sainte. The holy qui n'est plus une ville physique. Is not a physical town. Mais spirituelle. But it became spiritual. Donc cette ville qui est la Jérusalem sainte, this town who is the holy est l'église, is the church, qui est encore le corps de Christ, who is again the body of Christ, et l'église qui and est encore le corps de Christ, who is again the body est of Christ, un bâtiment, is a building, un bâtiment, a building, un édifice, a building, c'est-à-dire un bâtiment, that means something we built, dont les membres sont that the members des outils qui doivent former. Utensils we can use to composite. Et ce corps est un bâtiment. This body is qui a building. A été édifié. Who edified? Une, c'est-à-dire un bâtiment spirituel. Spiritually. Qui n'est pas physique. Who selon is not physical. L'histoire de Néhémie. According to the parce story que nous avons Nehemiah, compris selon l'histoire de Néhémie. Because we understand according que to Nehemiah. Que les murailles étaient physiques. That the walls were physical. Les murailles ont été ruinées. And there were ruins. Mais aujourd'hui, quelles sont but ces today, murailles? What are those walls? Sachant que knowing la ville n'est plus physique mais spirituelle. This town is not physical, et que c'est l'église du Seigneur. And it is the church of Lord. Gloire à Jésus. Glory to lisez-moi Jesus. Le livre de 1 Pierre 2, 4. Let's read the book of 1 Peter 2, verse 4. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. To whom come in? Pierre vivante. Pierre vivante. As a living stone. Faisons la remarque. Make the remake. Pierre vivante, et quelle est la terminaison? Living stone, where is the ending? De Pierre. Of Peter. Est-ce que Pierre vive? Pierre a S. Ah, has est-ce que Pierre a S? Stone has X. Non. No. Continuez. Let's continue. Pierre vivante, mm-hmm, rejetée par les hommes, mm-hmm, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mm-hmm. Le 5. Et vous-même, mm-hmm, comme des pierres vivantes. Est-ce que ici il y a S? Il oui. Y a S ici, non? Oui. There. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, mm-hmm, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous voyons par là que we saw that by here, qu'il y a une seule pierre vivante. That he has one living stone. Une seule pierre vivante. Only one living stone. Mais but qui est composé de plusieurs pierres vivantes. Who are composed by many of us living stones. C'est pourquoi le premier, soul. Il n'y a it's pas why S. The one didn't have mais S. Le second, il y a S. The second one has le S. Premier où il n'y a pas S. The first one who has c'est S l'église. Is the church. C'est le corps du Christ. Is the body of Christ. C'est l'édifice spirituel. Is a spiritual building. Qui est un seul bâtiment. Who is only one building. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand? Maintenant les pierres avec S. Now, sont des pierres vivantes. Is a living soul. Toi et moi. It is you and me. Toi et moi. You and me. Dis à ton frère, toi et moi, say nous sommes ces pierres. You and me, we are those stones. Toi et moi, nous sommes ces pierres vivantes. We are those stones. D'une seule pierre vivante qui est l'église. Who is only stone? Who is the church? Le frère Josué et le frère Silas. The brother Joshua le frère and the brother et Silas. Le frère Paul. The brother Apollos and et the brother tous Paul. Les frères d'ici.
And all the brothers, nous sommes here, des pierres vivantes. We are living soul. Nous sommes respectivement des pierres vivantes. We all are living mais soul. Lorsque on assemble toutes ces pierres, when we are gathering together, ça devient une seule pierre it vivante. Acclame le Seigneur Jésus. Living stone. Clap the Lord Jesus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Do you understand? Selon l'histoire de Néhémie, Jérusalem est une pierre physique. Jerusalem is physical soul. Et non une pierre vivante. Not a live soul. Une pierre physique. A physical soul. Qui est constitué de plusieurs pierres. We are composed by many other stones. La pierre physique, the physical stone, est l'ensemble is the de la construction de la ville. Walling of all the building of stone. Mais selon la révélation, according to revelation, la ville c'est l'église. The town is the church. C'est le corps. It is the body. C'est l'édifice spirituel. It is the spiritual building. Le bâtiment spirituel. The building spiritually. Elle a été formée par des pierres non physiques, stones mais who are not physical, spirituelles. Best qu'on appelle des pierres vivantes. Who are called a living stone. Moi, je suis une pierre vivante. A living tu es une pierre vivante. You are nous living sommes stone. Des pierres vivantes. We all are living une stone. Même pierre qui est l'église. On the same stone who is the church. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory nous continuons. Jesus. Let's continue. Donc, lisez-moi le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes did not you know that you le temple are de Dieu? The temple of ici, God. Here, le vous the, est en train de représenter representing la ville. The town. Le vous ici représente when we say you here, le seul corps de Christ. It is to talk about the only body of Christ. Le vous ici représente the you represent la seule pierre vivante. The only a living stone. Le vous représente la nation. The you represent a holy nation. Le vous représente l'église. It represents the church. Ne savez-vous pas didn't not you know que that? Vous, nous tous rassemblés ensemble. You all gathering together. Nous tous ensemble. We all together. Nous sommes we are un seul temple. Only one qu'on temple. Qu'on appelle le temple de Dieu. Who is the calling the temple of God? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc l'église so est cette nation spirituelle. Being this spiritual nation. Est cette Jérusalem spirituelle. Is that spiritual Jerusalem? Choisie précieuse. Chosen preciously. Sainte devant Dieu. Holy in front of God. Étant le temple unique de Dieu. Be only the one temple of God. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Maintenant tous les membres de cette église. Now all the members of the church. Sont chacun à all one de façon one, respective. Respectively. Des temples. The temples. Du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Il y a un seul temple de Dieu. It has only one temple of God. Nous tous. We all. Nous sommes le temple de Dieu. We are the temple of God. Mais le frère Josué, the brother Joshua, est le temple du Saint-Esprit. Is the temple of Holy le frère Silas, Spirit. The brother Silas, est le temple du Saint-Esprit. Is the temple of Holy Spirit. Le frère Jonathan, the brother Jonathan, est le temple du Saint-Esprit. Is the temple of Holy la sœur Dorcas, the sister est le Dorcas, temple du Saint-Esprit. Is the temple of Holy Spirit. Mais lorsque on rassemble tous but ces when temples we are gathering all those temples of Holy Spirit, ça fait it becomes le temple de Dieu. The temple of God. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. On peut continuer? Let's continue. Gloire à Jésus. Amen. Lisez-moi le livre de 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit? Ah! Retourne dans 1 Corinthiens 3, 16. Let's go back into 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Mm-hmm. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? You. Vous, réunis. You together. Vous êtes le temple de Dieu. You are the temple of God. Mais 1 Corinthiens 6, 19 va dire quoi? 1 Corinthiens 6, verse 12 say. Ne savez-vous pas que votre corps? Ne savez-vous pas que votre corps? Don't you know that your body? Est le temple du Saint-Esprit. Mon is corps. Is the temple of the Holy Spirit. Personnellement, est le temple du Saint-Esprit. My body personally is the temple le of Holy Spirit. Le corps de Isaac est le temple du Saint-Esprit. The body of Isaac is et the temple ensemble, of God. Selon 1 Corinthiens 3, 16, and together, nous sommes according to 1 Corinthians le temple 3, de Dieu. We all are the temple of God. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Ce qui veut dire que le temple de Dieu what means est the temple of God is gathering des corps on bodies. Ou, c'est-à-dire le temple de Dieu that means the temple est l'assemblage of God des temples du Saint-Esprit. The governing, the putting together of all temples of Holy Spirit. La pierre vivante but the living stone la pierre même est l'ensemble des pierres vivantes.
the composite of a living stone. Le corps du Christ, the body of Christ, est l'assemblage, is the putting together des corps of bodies, qui sont les habitations du Christ. Who are the dwelling of je the suis Holy Spirit. Une habitation du Christ. I'm a dwelling of je Holy suis Spirit. Un bâtiment de Christ. I'm a building of Christ. Le frère Néhémie est un bâtiment Néhémie de Christ. Is a the building of Christ. Nous sommes des bâtiments, c'est-à-dire nous sommes un bâtiment spirituel. A spiritual building. Mais chacun de nous est un bâtiment spirituel. Is a spiritual et lorsqu'on building. Assemble tous les bâtiments, when we all ça fait together, un seul bâtiment. It making one building. C'est-à-dire that mean, la ville doit être rassemblée. The city should be gathering. Des pierres vivantes with so a living qui forment des murailles. Will composite wall. Et ces murailles élèvent le bâtiment. Is putting the building high. Selon l'histoire, selon la connaissance. According to the history and the knowledge. Jérusalem est la ville physique. Jerusalem is a physical et town. Les murailles ont été bâties, ont été élevées, édifiées and put high, par des pierres physiques. By physical stones. Aujourd'hui, but selon today, la révélation, according to revelation, nous sommes tous we all des pierres qui forment les murailles who is de ce bâtiment. Of those buildings. Donc nous construisons ensemble we all are building la together, maison de Dieu the house of qui God, est la Jérusalem spirituelle. Who is the spiritual Jerusalem. Nous sommes en train d'aller. We are going. Vous allez comprendre l'importance même de la mission de Néhémie. You understand si the vous ne comprenez pas of name, ce que nous représentons if sur terre understand what we are representing en ce earth, temps on this moment, vous ne pouvez pas comprendre la mission you de will Néhémie. Never understand the mission gloire of à Jésus. Glory to Jesus. Donc, so, nous venons de comprendre cela. We just understand nous sommes that, des pierres vivantes. That we are des corps du Christ. We are a body of praise. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. We are temple of Holy Spirit. Mais étant une seule pierre vivante, being one living stone étant together, un seul corps du Saint de Christ, ensemble, only body étant of un seul temple de Dieu, together ensemble, being a temple of God together. Et tous ces corps réunis and all those bodies sont unified, des temples vivants. Are a living temple. Étant aussi des pierres vivantes. Being also stone donc, living. L'édifice so, qui est la Jérusalem, who is the Jerusalem est formé par ces pierres. Were composed by both si stones. Une pierre if one stone is falling, le bâtiment commence par s'écrouler. The building starting destroying. Si deux pierres, trois pierres, if two quatre pierres commencent à sauter. Starting coming up. Nous devons savoir que le bâtiment we should know that the building pas, has starting être ruiné. Ruined. Si nous sommes nous voyons et nous voici if you see les corps all the body Christ, being all the body of God, the temple si of Holy Spirit. Temple, if only one temple solidement pour, c'est-à-dire lié who was à linked temples. Solidly si une seule pierre if only one solidement stone, lié who à d'autres pierres linked, se retranche coming out. Là, ce n'est plus that la muraille n'est plus solide. The wall is not solid. La muraille est en train de s'écrouler. It's starting destroying. Or, cette muraille est spirituelle. But that wall parce is que chaque pierre joue son because rôle. Stone playing his lorsque role. Les pierres s'assemblent, when the stone are together, des liens d'accroissement, they are linking link up, going growing. And assistance. Les murailles s'élèveront davantage. The wall will come in demeureront solides. Continue et growing. Tous les temples du Saint-Esprit and all the temples of the seront Holy Spirit liés, will be linked, attachés, will cimentés. Be linked, will be attached. Et ce sera un seul corps, it will be one un body, seul temple, one temple, une seule pierre vivante. Only one a living stone. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Donc il y a un seul temple. So it has une only seule one vivante. Temple. Only one a living stone. Et une seule ville. And only one city, spiritual city. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Maintenant. Now. S'il y a un seul corps. If it has only one un body. Un seul temple. Only one temple. Une seule ville. Only one city, holy city. Et une seule pierre vivante. Only one qui est l'église. Stone, who is the church. Alors. So. Les pierres vivantes. The living stone. Qui sont les corps du Christ. Who are the body of Christ. Forment une seule habitation de composite Christ. Composite only one dwelling of the Christ. Formant une seule habitation du Christ. Being only one dwelling sont of Christ. Des membres. Are members. Et sont des branches.
à branches, comme sur un arbre, like on a tree, où sont des éléments composants or a composite element de cet édifice spirituel, building, comparativement à Jérusalem comparing physique. To the physical Jerusalem. Si on devait comparer cet habitacle, cet édifice, this building, ou cette habitation à this un arbre, house with a tree, nous sommes des branches. We are branches. Chaque branche, each branch, est comme un arbre. Is like over tree. Et si les branches sont ôtées, and if the branches are removed, arbre. The tree is not tree. Si les membres se détachent, if the members are going away, si ces membres qui sont des pièces se détachent if de la those members who are branches, ce n'est plus un édifice solidement posé. It's not a solid. Cela doit nous interpeller déjà. This should call au début de cet enseignement. At the beginning of this churching. Gloire à Jésus. Alors, si les pierres vivantes, so if the, a living qui font la seule pierre vivante, who composite the only one sont des éléments qui composent l'édifice, who element who composite the alors, tree, so, chaque pierre vivante a living joue un rôle, play a role, une fonction, functions, une activité, an activity, un sacerdoce, and sacerdoce, une œuvre, and work. Chaque pierre vivante stone, each living de la seule pierre vivante qui est l'église of all these living stones doit exercer une fonction. Should exercise one functions. Donc nous voyons que si nous sommes le corps du Christ, we saw that if you are assemblé member of étant God, l'église unique, being only composé one, des corps du Christ, composite of the body si of nous sommes Christ, le temple du Saint-Esprit, if you are the temple of the Holy Spirit, si nous sommes le temple de Dieu, if you are the temple formé of God, des temples du Saint-Esprit, composite of the temple of the Holy Spirit, alors, so, qu'est-ce que what ces pierres sont en train de former? What stones que forment ces pierres? What are they forming? Ces pierres forment des murailles. They are forming walls. Pour que l'édifice soit solidement posé, will be solidly built. Alors, so, quelles sont ces murailles selon la révélation? What are those walls according to revelation? Ces murailles selon la révélation, those walls according to revelation, sont des fonctions, la manifestation, are des fonctions, the manifestation of dans l'église, in two church, la manifestation, the manifestation de l'œuvre de Dieu dans l'église, of the work of God inside la the manifestation, the manifestation, de l'œuvre de Dieu dans of l'église, the work of God inside the church. Ces murailles those walls sont le fruit are the fruit de l'œuvre de Dieu. Of the work ces of murailles those walls sont le fruit are the fruit des fonctions or the functions qu'exercent chaque pierre, each stone, qu'exercent chaque élément de l'édifice. Exercing each element of the building. Donc chaque pierre so each stone étant solidement attachée, being solidly linked, les autres one to forment form les murailles. Les walls, murailles. Prenez walls, l'exemple de ce mur. Let's look the example of this. Voyez wall, les briques. Comment les briques ont été see alignées. How the walls are composite. Comment les briques ont été cimentées les see uns les autres. They are putting together les uns aux autres. One to over. Voilà comment est l'église. It's like this, c'est-à-dire la Jérusalem spirituelle. The qui est la réalité de l'homme qui est la Jérusalem physique. Really, reality of the one who is the physical Jerusalem. Chaque pierre joue each un rôle. Play a role. Chaque pierre joue un rôle. Each stone play a role. Et si toi tu devais jouer un rôle, and if you want to play a role, tape cette la pierre que tu formes, and the stone you have composed, plus attaché is not on à la muraille, to the wall. En même temps, la muraille commence par automatically the wall starts to break. It's là, nous parlons de la ruine des we murailles. Are talking about the ruins of walls. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Romains 12, le verset 4 à 5. Romans 12. Nous sommes en train d'arriver au c'est-à-dire à la source, à la base même de la de l'enseignement. We are coming close to the basis of the teaching. Oui. Romains 12, verset 4 à 5. Oui. Car nous avons plusieurs membres. Car nous avons plusieurs membres. For we have many members. Plusieurs pierres. We have many stones. Mm-hmm. Dans un seul corps. Dans un seul corps. In only one body. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. And all the members has not the same office. Ainsi, nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs pierres. So we who are many. Nous formons un seul corps. Nous formons
une seule pierre en Christ. We composite one nous body qui sommes in plusieurs Christ. Corps. We who are many nous formons body. Un seul corps en Christ. We are many one oui. Body in Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous sommes tous membres les uns des autres. And all are members one of other. La colonne joue son rôle. La colonne the principal is playing his qui role. Qui maintient le bâtiment. He maintains the building from the up la base and down. Joue son rôle. The basic also is playing his role. Les murailles jouent leur rôle. The walls are playing their role. Et les rôles sont différents. And the roles are different. Mais chacun représente une pierre vivante. But each of them composite a, de façon a living stone, spiritually way. La hauteur joue son rôle. The higher playing his role. La base d'en haut joue son rôle. The basis of la base up, d'en bas joue son the rôle. The base of down also playing his role. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors nous déduisons que so we deduce les membres du corps forment that a member of the body form le corps. A body. Ces membres formant des corps exercent chacun body, une fonction. Exercing each of them a et function. Ces fonctions sont des fonctions différentes and those functions are different dans l'unique édifice spirituel. In the only one spiritual building. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Ephésiens 4, 16. Ephésiens 4, verse 16. Nous allons voir comment we should see how ce temple, this temple est formé. We're composing. Comment ce bâtiment est formé. How this building et is là, composing. Nous allons comprendre les murailles. And we'll understand et wall. Vous devez savoir, vous allez comprendre maintenant and we understand pourquoi now nous devons rebâtir les how murailles. We should rebuild the walls. Pourquoi nous devons nous lever. Why we should get up. Oui, Ephésiens 4, 16. Ephésiens 4, verset 16. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, oui. Que tout le corps. Attends, reprends, un à un. Notez, hein. Oui. Do it again. C'est de lui. C'est de lui. It's from whom? C'est de Christ. It's hein? From Christ. Et grâce à tous les liens. Les liens de quoi? The joint. De son assistance. Les liens de son assistance. Notez, les liens. The fitly joint. Hein? Que tout le corps. Que tout assistance. Notez assistance. Hein, que tout le corps bien coordonné mettez coordination bien coordonné mm-hmm. Et formant un solide assemblage formant un solide notez solide making assemblage compatible dit son accroissement mettez accroissement put that selon la force qui convient notez à, force la force qui convient à chacune de ses parties mm-hmm. Mais notez parties. Et mm-hmm. S'édifie lui-même dans la charité. Notez édification. Et mettez amour. And put love. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Comment ces murailles ont été posées? How those walls comment même been ces murailles forment how those la Jérusalem? Walls are composite in Jerusalem. Si ces murailles ont pu former if Jérusalem. Walls are nous avons compris que le Jerusalem. Temple a été bâti par Salomon. You understand that the temple was built by Solomon. Physiquement. Physically. Et des murailles étaient des murailles qui étaient solidement and bâties. The walls were solidly pour édifier. Built. Jérusalem étant comme une maison. Jerusalem like une a ville house. Représentée comme une maison a avec des murailles. Represented by the house like walls. L'église. The church. Et aussi cette ville ayant des murailles. Is like this town mais who comment walls. L'église comparativement and à Jérusalem physique church, l'église qui like est Jérusalem spirituelle the church who is comment elle a Jerusalem, été bâtie how elle a été built, solidifiée how it was pour devenir un seul corps to become a comment one's house. Christ par le lien de son assistance Christ, by the a réuni toutes les pierres all vivantes the stones, pour former une seule pierre vivante to composite one stone living. Par les liens de son assistance. By the link of his assistance. Par un solide assemblage. By a compacted joining. Qui tient son accroissement. He's taking his growing par up. Par une force. By a strength. Des différentes parties. By different parts. Et après, il s'édifie lui-même dans la and charité. After edifying himself into charity. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ces murailles. And those walls, selon for la révélation, according to Revelation, représentent les diverses fonctions the diverse relatives work à chaque membre
composing du corps each du members Christ. Of all the body si of moi, Christ. En tant que docteur, if me like doctor, j'exerce ma fonction dans l'église, I'm exercing my function je suis in the en train de bâtir I am la muraille. Building the wall. Si celui qui est chantre de l'éternel, du Seigneur Jésus, exerce sa mission dans l'église, his il est en train the de bâtir les murailles. He is building the wall. Et les murailles sont bâties. And the walls are building. Si celui qui a le don de prophétie, the one who has the gift of prophecy, exerce ce don selon l'analogie de la foi. This gift according to the analogy of dans faith, la parole ou in, dans wall, les manifestations, or into the manifestation, etc. Il est en train de bâtir. So he is building. Donc chaque pierre formant so cette pierre vivante, composing ou this living stone, formant ce corps unique or this body, de l'église, each body composing ou chaque the one body, temple du Saint-Esprit, or each temple of Holy Spirit, ce temple composing de Dieu, in the temple of God, sont en train d'exercer des fonctions différentes. Different mais functions. Ces fonctions and en réalité offices, sont les murailles qui sont en train d'être élevées. Are the walls who are building. Alléluia. Amen. Donc les murailles représentent alors les diverses fonctions so the wall represent the relatives different offices à chaque membre du corps according de Christ. To each member of the member of Christ. Et l'élévation des murailles and the growing up est la of that combinaison des pierres vivantes is the combination of all the selon living l'écriture stone. De Ephésiens 4:16. According to the scriptures l'élévation of des murailles est lié à la combinaison des pierres. It was linked to the combination of the stones. C'est ce que font les maçons. It would that make the ils font des briques. They are making. Ils élèvent des murailles par ces briques. And they are putting walls by those et ces briques stones. Étant solidement attachées au ciment, compacted, deviennent vraiment solides. Become solid. Et devient lié. And donc nous voyons que link. Ces briques qui forment cette muraille so that those stone who form sont assistées par des liens. Were assisted by et ces liens sont les ciments and these links mélangés are avec du sable et de l'eau. Mixed by sand donc, and water. Si toi tu exerces une œuvre dans l'église, if et que you, moi j'exerce une œuvre, role in church work, nous sommes en train de participer we are à la solidification de l'édifice. Et nous sommes en train d'élever la muraille. And we are making the wall coming up. Mais cette muraille ne peut être élevée but this wall sans be lift l'assistance de Jésus-Christ. If without the assistance or of l'assistance Jesus de Jésus-Christ but the assistance of Jesus Christ est basée sur les liens is based on the link d'assistance of assistance. Les liens. Quels sont les liens? Who are doing? Le ciment. Le sable. The water, the sand, the le cement. Mélange de l'eau, le ciment, le sable. The mixing of water, sand and cement. Des liens pour maintenir les briques de composing link to stay to make stay in the nous stone. Nous comprenons ces liens. We will understand those links. Comment c'est Jérusalem? And understand why this Jerusalem has et comment c'est Jérusalem doit être levé? And how that Jerusalem should be lived. Donc, so, le frère Josué était the brother interprète. Joshua, moi étant enseignant, me being teacher, nous sommes en train de former we are composing une muraille and wall, qui est la prédication, l'enseignement de la parole. Who is the teaching of the world. Mais le Christ a mis un lien qui nous assiste, the has put qui in nous permet d'être ensemble. Us, who permit us to be et c'est ce lien qui permet à la muraille que nous sommes alone, en train de bâtir de s'élever davantage. To lift again. Voici le lien. C'est parce que nous sommes link. Ensemble. It's because we are together. Nous sommes liés. We are linked. Il y a un lien que Christ it a tissé entre nous. That Christ has put et c'est ce lien qui nous permet is that who allow us de lever la muraille. To lift the wall. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc l'élévation des murailles est la combinaison so the lifting of des the walls pierres vivantes qui are sont a combination of a living stone ce body forming this building. Étant le corps unique de Christ, being the only body of Christ, la ville sainte, whose meaning of the Holy Spirit. Maintenant, qu'est-ce qui a renversé ces murailles? Now that what reversed those walls? L'Écriture dit que les murailles de Jérusalem the sont walls of Jerusalem were ruined. Mais qu'est-ce qui a ruiné ces murailles? What had ruined that those murailles? Les murailles de l'église de la dernière heure. The walls of the church of the last time. Les murailles de l'église the walls du temps of de la fin of the time sont of the en ruine. Are into ruins. Les murailles de l'église du temps de la the fin walls of the church sont of the ruinées. Time of end
are ruined. Nous devons le savoir. We should know that. Les murailles sont ruinées. The walls are ruined. Les murailles sont ruinées. They are ruined. Mais pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Si Jérusalem physique, if qui était la nation sainte, who is the holy nation, était ruinée, were ruined. À cause, because, ça dit des problèmes liés, because that problem au peuple, to the people, et sa désobéissance, and to his their disobedience. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui, en ce temps de what la fête, today at the end a of time, ruiné les murailles du corps du Christ, ruined the walls of the de cette église blood, de la dernière heure, on that church of the last time. Les raisons de la what ruine are the reason de of cette the muraille, of that wall, de cette muraille, of those walls. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Nous allons comprendre ceci. We will understand that. Premier, notez. Right. Pourquoi cette muraille? Why de la Jérusalem spirituelle qui est l'église du Jerusalem temps de la fin a été ruinée. Parce que because les liens qui assistaient who is la coordination des murailles the cohesion of ont été brisés. Were broken. Les liens qui assistaient the link who were assisting, la coordination the cohesion des murailles of all a walls été brisée. Were destroyed. Ont été brisés. They were broken. Quels sont ces liens? What are those links? Nous sommes en train d'entrer dans la sainte doctrine. We are entering quels sont ces liens selon la doctrine? What are those links according to the sound doctrine? Allons-y directement dans Ephésiens 4, le verset 3. Let's go directly in the book of Ephésiens 4, verse 3. Lisez la dernière expression. Read the last Ephésiens 4, 2. Of Ephésiens et entamez avec Ephésiens 4, 3. And continue with 3. Ephésiens 4, verset 2. Vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. De conserver l'unité de l'esprit. To keep unity of spirit. Qui est? Who is? Par le lien de la paix. By par le lien de la paix. By the link of the peace. Notez l'unité de l'esprit. No, par right. Le lien de la paix. Unity of the spirit by the link si of peace. C'est-à-dire les pierres. If the stones. Qui sont vivantes, on dit des pierres vivantes. Who are alive. Quand on dit vivantes, ce qui est vivant est esprit et vie. Something who is alive is spirit and life. Les pierres vivantes sont esprit et vie. All the stones alive are spirit and life. Le lien, reprenez la phrase. Read again. L'unité de l'esprit, oui, qui est? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. In the bond of peace. Si ces pierres vivantes qui sont esprit et vie, spirituel, qui sont humains, qui forment who are humans, un seul corps, composing to one body, ne sont pas dans la paix, are not into pendant peace, qu'ils sont en train de coordonner l'assemblage pour former les murailles, to make the wall, alors les murailles seront renversées. So the wall will be defended. Qu'est-ce qui a renversé les murailles de l'église what du temps de la fin? What reversed the walls of the church of the end? C'est le manque time de paix. It is the lack of peace. C'est le manque de paix. It is the lack of peace. L'Écriture dit dans Isaïe 9, Scripture says in Isaiah 9, Christ est le prince de paix. Christ is the prince of peace. C'est pourquoi l'Écriture dit que Christ est le prince de paix. Par son assistance, il tire les liens des pierres pour former une seule pierre. He joined the link of the stone to form one stone. If all qui sont alive, des esprits so, humains who comme nous sommes spiritual human, si spirit that pierres we are, who has stone ne left, sont pas en paix les uns les if autres they are not peace, one comment together, l'assemblage peut être solidement édifié the gathering should be comment done? Nous pouvons bâtir la muraille s'il how y a can we build the walls? Qui, s'il n'y a pas la paix if it didn't have peace, intérieur et interior extérieur peace and exterior peace inside amen gloire à Jésus. Alléluia. Donc, so, pourquoi la muraille a été renversée? Why the walls were reversed? Pourquoi les murailles de la Jérusalem spirituelle? Why the walls l'église of du temps de la fin a été renversée? Church of the end of time were reversed. C'est parce que le lien de la paix a été brisé. The link of peace were broken. Il n'y a plus d'unité. It hasn't any selon unity. Ce que dit Ephésiens 4, le verset 3. Like what say Ephesians 4, car verse 3. L'unité c'est le lien because the unity de la paix. Is the key bond of peace. Donc s'il n'y a pas unité,
It hasn't unity. Comment les pierres peuvent former un seul pierre? The stone will compose it Vous allez bâtir, only bâtir, one. Bâtir. You will build, mais ça ne va pas aboutir. But you will not come in. Parce que dans l'esprit, les esprits ne sont pas unis. Because the spirit les esprits not ne sont pas dans la paix. The spirit les uns aux autres. One Il y a des discordes. They have not Mais accepted. Pourquoi? Quelles sont les répercussions What have it de ces answering? C'est ce manque de paix qui a renversé les murailles of de l'église this lack de la of peace who reverse the church of the end time. Il y a les mésententes. You have not accepting les guerres. The wars. Internes, externes. Les and divisions. The divisions. Les scandales sans cesse. Scandals without Les discordes. Not et les crises au sein de l'église and du temps all de la crises into the church of Pour the que time. Les murailles s'élèvent davantage. That the wall be up again. Ces choses doivent cesser dans l'église Those things should cease in the church of the end time. Chaque pied doit travailler à être uni dans un même esprit de paix. To be unified to the same bound of peace with the over one stone. Toutes les pierres doivent avoir un lien de paix. Should keep a link Sinon, of peace. Nous allons bâtir. If not, we will nous bâtirons, build bâtirons. We will build mais les murailles ne pourront jamais But se lever spirituellement. Parce que le lien, selon le livre de Éphésiens 4:16, the link according to l'un the book des liens qui tire l'accroissement. Et qui assiste le solide fondement, l'assemblage the solid des murailles, the gathering formant of un seul corps, walls, un seul bâtiment, forming one body, est l'unité. One building is unity. S'il n'y a pas l'unité, If you don't have étant unity, le lien de la paix, being a link of peace, cela ne sert à rien de bâtir. It's not for nothing to build. L'unité et le lien de la paix doivent être the recherchés. Unity and the bond of peace should be respected. Lisez-moi le livre de Hébreux 12:14. Let's read the book of Hebrews. 12 verse 14. Le Seigneur dit, parle au cœur de Jérusalem. Lord said, talk to the heart of Jerusalem. Parle à l'église du temps de la fin. Talk to the church at the Pourquoi end les murailles of time. Ont été ruinées? Why? Et pourquoi the walls c'est difficile are ruined? De les rebâtir? And why it is so difficult to Parce build them? Parce qu'il y a des liens qui ont été brisés. Because it has some Selon link with Ephésiens 4:16, according il y a des liens qui forment un seul assemblage. It's a link who making Mais only si ces liens sont brisés, If those links on ne peut are pas le fondement ou bien l'édifice ne peut jamais être solide. The building should not be solid. Et le premier lien, c'est le lien de la paix. And the first link oui, is the link comme dit l'Écriture dans Hébreux 4:16. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix Hébreux avec 12, tous. Hébreux 12, 14, voilà. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Find follow peace with all men. Et la sanctification. And holiness. Sans laquelle personne ne verra le Puisque Seigneur. Puisque le lien, Because le the premier link, lien qui the nous link, de lier who help us to join, les pierres, les briques the soul, pour former une miraille to composite a walls, est la paix is the peace, pour relever to put to live, pour rebâtir to rebuild, il faut la paix. We need peace. Mais si But if nous ne connaissons pas les choses qui ont brisé les murailles think that the de l'église du broken, temps de la fin, At the il serait end of difficile time, it will be difficult de le rebâtir. To rebuild C'est it. Parce que Néhémie a compris it is because Nehemiah has understood qu'il y avait des liens qu'il avait it has many links. C'est pourquoi Néhémie va appeler It's why he's calling les exilés. All the living. Ceux qui, selon la prophétie Those who de according the Moïse et de Jérémie et des prophètes étaient prophète exilés. Were not in the towns, Ils doivent revenir they should come. Pour que le lien de la paix That the link soit of peace tissé. Be Donc, Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Maintenant, Now, après le lien de la paix, after the link of il y a le lien. It has the link. Je préfère que nous puissions lire d'abord le verset. I want you to read first the Colossiens 3, 14. Colossiens 3, verset 14. Colossiens 3, verset 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Mais pas dessus toutes ces pas choses. Pas dessus toutes ces choses. Things, malgré tout ce qui se passe dans l'église du temps de la fin, quand dit la sainte doctrine. Oui. Revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de la charité. C'est-à-dire de l'amour. That means by love. Qui est le lien de la perfection? Ah, Who is the link of perfection? Le lien de la perfection. The link of perfection. Le premier, on a dit le lien de la paix. The first, we say link qui of peace. Qui est l'unité? Who is unified? Nous devons rechercher l'unité selon le premier lien. Check about unity. Le deuxième lien, c'est lequel lien? Link. Le lien de la perfection. Is the link of perfection. Donc, ce qui veut dire que That means nous pouvons chasser les démons, we can chase nous pouvons demons. Évangéliser, we can prêcher, evangelize. We délivrer, can preach. We can deliver. Enseigner, we can teach.
démontrer you can demonstrate le mystère de la science, the mystery of science, avoir le don de la prophétie, have the gift of prophecy, la foi, the faith, mais si il n'y a pas le grain de l'amour, we don't have the seed, the sour of s'il n'y a pas ce lien de perfection, étant l'amour, being the love, les murailles ne peuvent pas the se walls will not lift. Qu'est-ce qui a fait détruire les murailles? What make the qu'est-ce walls qui a ruiné, fall? Qu'est-ce qui a ruiné les what murailles? What ruined the walls? C'est parce que le it lien de la perfection of the perfection a été brisé. Has been broken. Et quel est ce lien de la perfection? And what is the link of perfection? L'amour. It is love. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous bâtir si nous ne nous aimons how pas? How can we build if we don't love each other? Comment nous pouvons parler du Christ? How can we talk si about Christ? En notre cœur, nous ne nous aimons if pas. If in our heart we don't love each si other. Si nous avons en nous if we have on us, in us des méfiances. Not accepting. Des mésententes. If don't agree. Des oppositions. We have opposition. Comment pouvons-nous how can we lift the world? C'est pourquoi l'ennemi rôde et se why the enemy is turning around du temps de la fin. And mocking the church parce of the end time. Parce que depuis longtemps, because since long, des derniers temps n'a pas compris the church of last time did not understand le plan du Seigneur. The plan of the Lord. Parce que because comment le réveil de Jérusalem a été détruit? How the revival of Jerusalem was destroyed? C'est parce que les liens ont été brisés. It is because the link were destroyed. Mais pour que cette Jérusalem spirituelle that soit bâtie, spiritual Jerusalem will be built, the scripture says, Ephesians 4:16, in Ephesians 4 verse 6, that it has within this that the Lord assiste, can use, les liens qui s'assistent, who is assisting, pour former, to compose, un seul corps, only one body, un seul bâtiment, only one building. Maintenant que le lien now, de la perfection. In the on, link peut dire, of perfection, on peut dire que we can say, le lien de la perfection, the link of perfection c'est le ciment, is the cement. Le lien de la paix, the link of peace, c'est l'eau, is the water. Etc. And so on, so on. Pour former l'assemblage, to compose it, lorsqu'on met une brique, when we il y a put le ciment, in a stone, le mélange du ciment avec the cement, du sable et de l'eau. The mixing of sand il faut and que cement. Ce lien puisse mettre both en combinaison les put pierres vivantes. Combination on the living stone. Mais parce que but because ce lien de perfection those link of perfection were broken dans la into church of last time. Alors les murs ont été so the walls renversés. Were reversed. Quels sont ces murs? What are those walls? L'œuvre de Dieu dans l'église. The work of God inside. L'œuvre de Dieu dans l'église a été renversée. It was reversed. Dans l'église du temps de la fin. In the church of the time. L'œuvre de of Dieu age, dans l'église. The word a été of God. Bafouée. Were rejected. Les cœurs ne sont plus en esprit. The heart are not la méfiance opère. They are not accepting. Les désaccords opèrent. Not agreement is dans working. Dans les membres du corps. Into the member of the body. Comment pouvons-nous how élever? Can we lift? Néhémie va faire ce constat Nehemiah will make this à Jérusalem. At Jerusalem. C'est ce constat que nous faisons is that constatation we make dans l'église du temps de la fin. Into the church of the end time. Et ce lien de le brisement. And this link of broken. De ce lien de perfection. This link of perfection. A amené dans l'église du temps de la fin. Has bring into the church of time. Des éléments comme suit. Element like. La haine. The hate. Les animosités. Animosity. Les froideurs. Colder, la froideur spirituelle, la négligence, spiritual colding, le manque de zèle, neglecting, plusieurs ont perdu leur premier amour, zeal, some have lost mépris, their first love, le mépris, not accepting, l'inimitié dans l'église du temps de la fin, inimitié into the church of the end, les rancœurs du temps dans l'église du temps de la fin, bad hurt into the church of the last time. C'est des conséquences du brisement du lien de la perfection qui est l'amour. Of the link of perfection whose love. Mais par la grâce de Dieu, moi je crois by the grace of God, me que I les believe pierres vivantes sont en train d'écouter cet enseignement et s'attacheront les uns aux autres. And we link acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Si tu as de l'intelligence, tu comprends ce que if dit l'Esprit. You understand what the Spirit les pierres s'attacheront les uns aux autres. The sun will link them together et formeront and they will les murailles walls. De ce que Néhémie avait fait. For what Nehemiah has done. Levons-nous. And say, let's get up. Mon frère, crie ce soir, dis levons-nous. Brother, shout to levons-nous. Say, let's get up. Crie, levons-nous. Let's get up. Je ne t'entends pas. I don't listen levons-nous. To you. Let's get up. Levons-nous. 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 Let's get up. Et bâtissons. And build. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Lisons Jacques 4, le verset 1. The book of Jake 4, verse 1. Jacques 4, le verset 1.
Jacques 4, verset 1er. Oui. Je lis au nom de Jésus. Jacques, oui. D'où viennent les luttes? Mm-hmm. Et d'où viennent les querelles parmi d'où vous? D'où viennent les luttes parmi nous? From where are coming d'où the viennent les guerres parmi nous? Where, from where are coming the mm-hmm. war? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de nos passions? Not from your passion. Qui combat dans vos membres? Qui combat dans nos membres? Who is work fighting against your members? Verset 2. Yes, oui. Vous convoitez. Non, c'est bon, c'est bon. Pourquoi des luttes persistent dans l'église du temps de why hustling are persisting in the church? Les passions du monde. Because many have the passion of war. Les intérêts personnels. They have personal interests. Ils ne veulent pas s'humilier. They don't want to humble. Que l'intérêt du Christ soit en jeu. That the interest of Lord pourquoi being les that? Pierres vivantes se contredisent? Why the living stone are not telling pourquoi the same les pierres qui doivent former une seule pierre et why un assemblage? Compose one stone, une muraille, des who murailles compose a wall, many walls, ont des discordances. Has not the same si agreement. Il y a un seul esprit. If it has only un one seul Seigneur. Only one un Lord, seul Christ. Only one Christ. Pourquoi tant de dénominations? Why so many calling? Pourquoi tant de dénominations dans l'église du temps là? Why so many calling the church of the end time? Or l'église est à la veille du retour so de Jésus. The church is at the que at doit the faire l'église du temps de la fin? Coming of Jesus. L'église du what temps de la fin doit se lever. That should raise up. Doit se relever. That should raise up. Le relèvement the raising et le rebaptisement sont d'une importance très capitale. Is so important. Il y a un rebaptisement spirituel qui est nécessaire. And rebuilding spiritually un rebaptisement spirituel. Spiritual rebuilding. Pourquoi Dieu va susciter un it's ennemi God will dans un moment de crise, into a moment dans un moment of crisis, de scandale into a moment à Jérusalem. At Jerusalem. Et je crois qu'en ces derniers temps, on last le time, Seigneur Jésus suscite the Lord Jesus et suscitera des ennemis and using more du temps de la fin on the qui vont dire les uns aux autres, levons-nous. Let's get levons-nous. Let's get dis à ton frère, levons-nous. Say to your brother, let's levons-nous. Get up. Let's get up. Levons-nous. Let's get up. Et rebâtissons. And build. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Acclame le glory Seigneur Jésus. Lord Jesus. Acclame le Lord Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, glory to the Lord on Jesus. Continue. Pourquoi? We continue. Les murailles ont été renversées. Why the walls were defeated? L'assemblage n'est plus solide. The cave putting together were not solid. Nous sommes au troisième point. We are the third l'assemblage point. Après les liens, il y a deux liens. After le the lien link, de la paix, le lien de la perfection. The link of peace, the link of perfection. Selon Ephésiens 4, Ephésiens 4, verse 16. Maintenant, now, l'assemblage n'est plus solide. The gathering is not ce n'est pas solid. Physique, physiquement. It's not by parce que physical way. Ce bâtiment n'est pas le corps du Christ. Because this building is not the body of Christ. It's not mais le bâtiment qui est le corps du Christ. The building with the body of Christ. C'est le corps réuni formant un seul corps. It's the body unified, composite one only body. L'assemblage n'est plus solide. The covering is not car solid. Car les liens sont brisés. Because the links were broken. Les membres ne jouent plus leur rôle ou fonction. Members are not playing their office. Les membres, les pierres vivantes. The living stone ne jouent plus leur rôle. Il y a l'affaiblissement. Il y a l'affaiblissement. They have become weak. Il y a la rétrogradation. They have upgrading. La rétrogradation dans l'église du temps l'offre. Upgrading. L'apostasie et le sommet spirituel they dans l'église du temps l'offre. They have apostasia and spiritual les murs spirituels ont été endommagés. Were destroyed. Ont été ruinés. They were ruined. Par les scandales, by scandals, de la même manière que Jérusalem avait subi the same un scandale, that et les murs ont été ruinés. The walls l'ennemi va ruined. Se lever, dit, levons-nous et rebâtissons. De la même again. Manière que l'église du temps de la fin, by the same way, the church de temps en temps des scandales, has received scandals, des divisions, des guerres, wars, des malcompréhensions, not understanding, and so on tout so ça far. A fait en sorte que l'assemblage n'est plus solide. All will make that the putting together car not les strong. Liens sont brisés. Because the link were broken. Quatrième point. The fourth point. Les membres, oui, comme je l'ai dit, les liens, like les I membres said, the members ne jouent plus leur rôle ou fonction. Are not playing their office. Il y a la négligence. They have neglect. S'il y a la négligence, if we have neglecting, comment pouvons-nous solidifier l'assemblage? How can we be strong? Comment pouvons-nous bâtir les murs? How can we build the walls?
Il y a aussi un désordre dans l'hiérarchie de l'église. L'église du temps de la fin. That means il y a church of une rébellion de la part des membres. It has a rebellion from the members. À la tête. Facing on the head. Et il y a aussi un désordre qui va it se passer. It has also a disorder. Et le Seigneur dit. And the Lord said. Quand nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, when we read the story of Apostle Paul. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. God is not a God of disorder. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. God is not God of disorder. Un Dieu d'ordre. But is God, he's a God of order. Si le désordre y est. If the disorder is there. Comment les murailles peuvent s'élever davantage? The wall can be lifted more. Si nous œuvrons. If you are working. C'est-à-dire chaque membre du corps exerce son œuvre. Si les apôtres jouent leur rôle. If the apostles play si les prophètes jouent leur rôle. If the prophets les évangélistes jouent leur rôle. If the evangelists play les pasteurs jouent leur rôle. Pastors play their et les docteurs jouent leur rôle. Doctors also play their role. L'église va s'accroître. The church will grow in her. Si if les chantres, the les singers, intercesseurs, the intercessors, les canaux qui ont des dons spirituels, the protrural spiritual gifts, jouent leur rôle. Playing their role. Si ceux qui sont appelés à l'évangélisation, to à l'enseignement, to the teaching, jouent leur rôle. Playing their role. Le bâtiment va s'édifier davantage. The building should be more. Les murailles vont s'élever. The wall will be lifting more. Voilà les causes. Voilà les conséquences. Les causes de la ruine des murailles. Of the ruin of walls. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Le ralentissement de la croissance spirituelle. He has also de l'église du temps de la fin. Of the church of all time, because of the work of the witchcraft and the darkness world. L'église du temps de la fin est combattue. The church of last time were fighting again. Le monde des ténèbres. By the darkness world. Et le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 5, and the Lord saying through the book of 1 Peter 5, 8, contre l'église, the devil is comme un lion cherchant qui dévorait. Like a lion searching for one he will devour. Et le Seigneur dit vaquer à la prière. And the Lord says, car la call fin to est proche. Because the end is 1 so Pierre 4, 7. Nous devons 1 vaquer Peter à la prière. 4, 7. Parce que les jours sont mauvais. We should exercise to praying because they are bad. The work of witchcraft combat l'église. We start in fight against church. Et des pierres. And the souls. Qui devaient des pierres vivantes. Who will be a living soul. C'est-à-dire élever les murailles to lift the world, dans l'accroissement ou bien dans l'assemblage on the giving, et l'accroissement and the élèvera les murailles will lift in the parmi world, ces pierres vivantes inside those walls, il y a des walls, infiltrés we have des infiltrés dans l'église de la fin people, des personnes qui ont une apparence d'ailleurs mais dans leur cœur but in their heart, ils sont they are, elles sont des lions ou bien des loups ravisseurs. Or they are loups. Comment se fait-il que si nous disons que nous sommes des pierres vivantes? How when we say that we are living stones? Parmi nous, certains vont se monter comme des pierres. Many will see appearance like stone. Or en réalité, and really, ils sont des caterpillars. They are bulldozers. Et quand les autres sont en train d'unir, de bâtir, when the eux working, seront là en train de renverser. There and destroying. Voilà les causes. Those are the bases de la ruine des murailles. Of the ruin of the walls. Mais cela ne pourra pas this dominer parce que le Seigneur ruined you because the Lord dit à moi la vengeance, said to me à moi la rétribution. To me the retribution. Voilà que nous savons déjà les choses. We know all those things. Nous devons se lever. We should erase. Et combattre les œuvres des ténèbres and dans l'église. Fight against the work darkness into the child. Pourquoi encore? Why again? Les murailles ont été en ruinées. The walls en ruine. Were into ruin. Ont été renversées. Were destroyed. Il y a l'amour du monde qui s'est infiltré dans l'église du temps de la fin. The love of world le péché s'est introduit dans l'église du temps de la fin. The sins introduced into le the découragement est aussi l'un des facteurs the discouragement qui is one of factors we trying to reverse the world. Le découragement. Discouragement. Lorsque nous allons aborder l'enseignement de demain, when we start vous allez mieux tomorrow, comprendre. You understand more. Vous allez mieux comprendre. You understand more. Pourquoi le découragement? Why the discouragement? Ne doit pas se nommer dans l'église du temps de la fin. Should not be called in the church of the end of time. Ça le pasteur était en train de dire. It's what the pastor is telling. Toutes ces choses ne doivent pas all nous those things do not make us weak.
Parce que le but de l'ennemi, because the goal of c'est the le découragement. Is the discouragement. Alléluia. Amen. Mais nous, nous allons foncer davantage. But we will go again. Nous allons foncer. We will continue. Dans la persévérance. Into perseverance. Jusqu'au jour du Seigneur. Till the day of the Lord. Maintenant, il y a encore un problème. Now it has. J'avais parlé de ça, de l'exil. I'm talking about Israel. De certains membres of étant some members, des parties stratégiques. Being strategical du corps ayant affaibli les murailles. Of the body who has made the walls weak. Nous sommes 10 et nous travaillons ensemble. We are 10, we are working together. Mais deux, à cause du découragement. But some, because of discouragement. Vont s'exiler. They are going into Israel. Abandonner l'assemblée. They leave their assembly. À cause de la froideur. Because of coldness. Cause des problèmes, des difficultés. Because of difficulty and problems. Vont quitter. They will leave. Ces choses. Ces exils, puisque si tu étais occupé un poste, if you occupy tu abandonnes ton poste, you leave your office, alors tu es en train de donner accès à l'ennemi. You give access to the enemy. Si en même temps le Seigneur ne suscite pas quelqu'un, if God is not pour jouer ton rôle, someone to play your role, ton poste sera vide dans l'église. Your post will be et cela endommage and destroying le solide assemblage. The solid gathering. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Maintenant, Jesus. Maintenant. Now. Après avoir parlé, voilà. After talking. De l'exil, de causes, voilà. Les causes de la ruine de la muraille. Of the ruin of the world. Nous allons comprendre aussi quelque chose. We understand something. Lisons encore Néhémie 1:3. Let's read the book of Néhémie 1. Je vais vous montrer encore quelque chose. Il me répondit. Uh-huh. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Nous avons déjà compris pourquoi les murailles sont en ruine. You understand how the walls are in ruin. Et ces portes sont consumées par le feu. Ces portes sont consumées par le feu. Ah, les murailles n'ont pas été seulement en ruine. The walls were not only in ruin. N'ont pas été seulement détruites, renversées. They were not only reversed or destroyed. Mais ces portes ont été all his gates were burnt by fire. Selon la révélation, according to revelation, les portes étant consumées par le feu, the gate being burnt représente et signifie spirituellement, and has meaning spiritually, un feu étranger, and foreign fire, feu étranger, some foreign fire, qui pénètre l'église du temps de la fin, who is coming to the church of the end times. Le feu étranger, the foreign passe par la porte. Passing et pénètre l'église. And coming to the church. L'Écriture dit que the scripture les said, portes ont été consumées par le feu. The gates were consumed by the fire. De quel type de feu il s'agit? On which fire we are talking about? Un feu étranger qui vient. Foreign fire. Qui vient éteindre. Who is coming to quench? Le feu spirituel. The le spiritual feu fire. Divin. The divine fire. Et ces feux étrangers représentent quoi? And these foreign les mauvaises doctrines. Are the bad doctrines. Nous entendons dans l'église du temps de la fin we are hearing que les femmes that doivent woman, forcément porter des, ou bien les femmes ou les hommes pour aller woman, au ciel doivent forcément porter des tenues unies. Before c'est-à-dire going, des tenues there should be ayant une seule couleur unique. Only one clothes, who ça has se passe only dans one l'église color. Du temps de la fin. Is coming to the church of old times. C'est le feu étranger. It is a foreign des choses fire. Qui ne sont pas scripturaires. For those things qui are ne not sont pas spirituelles. Those things are qui not consument spiritual. La porte who is consuming de la the ville. Gate c'est-à-dire qui pénètre l'église. Who is penetrating des feux étrangers. Into the foreign fire. Des introductions de nouvelles doctrines dans l'église du temps de la fin. Using the et cela new renverse la foi. And they reverse the faith. Ça renverse les murailles. It reverses the walls. Il y a plusieurs dérives dans l'église du temps de la fin. It has many things. Cela fait partie d'un, d'un. Il y en a plusieurs. It has many. On se base sur we are putting les écritures de la loi. On the scripture of the law. Qui en réalité sont des révélations that really dans la they grâce are to the grace. Qui était l'homme des choses à venir mais dans la they grâce humble, qui ont leur portée spirituelle. Who has spiritual gift. Pourquoi l'Écriture parle de ton unique how the selon scripture la loi talking about de vêtements true. De ton unique selon la loi the clothes according to the law. En réalité aujourd'hui really, en Christ selon la révélation Christ according to nous revelation. Comprenons que ces tons uniques we understand sont, that très simples, sont en train de se lier
au lien qui doit assister l'église. Are linking to the things who will quand on dit unique selon la révélation, when we say nous comprenons unique clothes, we understand la même doctrine, the same doctrine, le même esprit, the same spirit, le seul corps, the only body, la même foi, the same faith, un seul baptême, the same baptism, selon la révélation. Voilà according ce que to revelation, what that mais toi tu prends ça à l'écriture de façon charnelle, de façon littérale, yourself, et tu vas dire and you say, que sinon on porte des pailles africaines, if you using quand African on ne peut pas être sauvé. Will not be saved. On doit porter des tenues bleues, uniquement blue, rouge, clothes, jaune, clothes, vert, yellow, et que green, quand il y a mélange, and if you have mis selon la lettre Chanel, according to the Chanel tu ne peux pas letters, aller au ciel. You can en go réalité, to the heaven. Selon la révélation, really by de quel type de mélange l'on parle? On which le mélange we are entre to. Le blé et l'ivraie, we are talking about le mélange entre le péché et la sainteté, le mélange entre la justice et l'injustice. Between justice and injustice. Acclame le Seigneur Jésus. Clap to the Lord mais toi, Jesus. Tu prends cette écriture pour en faire une doctrine légaliste. Making a legal doctrine. Avant tout ce qui était dans la loi, but before everything était in law, une pédagogie pour nous amener à Christ. Where donc, quand moi je vois ce verset-là, moi je vois Christ. Je vois la sanctification dedans. Sanctification je vois l'unité dedans. I saw unity on je vois that. La paix, l'amour dedans. I saw peace and love inside. Je vois un seul baptême. I saw only one baptism. Selon la doctrine, je vois according to une doctrine, seule foi. I saw only one mais quand toi tu penses avec les but yeux Chanel, you taken by spirit toi tu Chanel vois des tissus physiques. You see only things. Ça c'est le feu étranger qui s'introduit dans l'église. It's a foreign fire will come into voilà the les causes qui ont ruiné les murailles. Qui ont brûlé les murailles. Who destroy, who fire the c'est un exemple. Il y en a plusieurs. It's an example. We nous have allons revenir over. Au temps marqué. Let's go back to the ce que le Seigneur time. Veut, c'est la simplicité de vie what selon la sainte doctrine is the simplicity et la sanctification and the de l'esprit, de l'âme et du corps. Of the spirit et non des jougs qui sont Chanel. Not only all born. Alléluia. Amen. Continuons. C'est une parenthèse. It is a parenthèse. Maintenant, en now, voyant ces murailles en ruinées, seeing those walls, qu'est-ce que Dieu va faire? What God will do? Il y a la vocation de Néhémie. Notez la vocation of Néhémie. It's called the lisez-moi Néhémie 1:4. Nous sommes déjà à la fin. Let's read the book of Néhémie 1:4. Nous sommes toujours en train de comprendre. Le levons-nous. We understand. Let's get up and build. Demain nous irons en profondeur encore. Tomorrow we go deeply again. Oui. Néhémie 1:4. Néhémie 1:4. Lorsque Néhémie va remarquer when Nehemiah will remake cette this town, ville en ruiné, this holy sera town, sa première réaction? What will be his first reaction? Oui. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Ah! Est-ce que lorsque toi, when lorsque nous voyons l'église du temps de la fin en ruiné, dans la ruine plutôt, into ruin, dans la destruction, into destruction, dans les divisions, dans les calamités, into dans les scandales, into community, qu'est-ce que nous faisons? What we are doing? Cette pleur n'est pas une pleur qui montre la this faiblesse, non. Sweeping, not cette pleur est plutôt des pleurs this crying is, de c'est-à-dire qui incite is weeping, à, au soulèvement, give you, au rébaptissement, to come and rebuild. Les pleurs de regret que this doit animer l'église dans la fin. Pour se lever comme un seul homme et build a church, and you wake like oui. One man and build again. Ça c'est la vocation de Néhémie. Néhémie pleura en voyant ces choses. De la même manière, Jésus pleura. Jesus weeping. Il pleura en esprit lorsqu'il voyait la ruine de Jérusalem. He saw the ruin of pendant qu'il voulait entrer à Jérusalem. When he went entering to Jerusalem. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Le jeûne et la prière. Nous sommes en train de faire le jeûne et la prière. He making fasting and praying. Maintenant, Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 3. Néhémie 2, à partir du premier verset. Au mois de Nisan, la 20e année du roi, Artaxerce, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ah, avec ça, Néhémie a un mauvais visage. Néhémie has a bad face. Ce mauvais visage n'est pas la faiblesse his aussi. Bad face is not weakness. Mais c'est un visage qui but l'amène face à une détermination. Who is bringing him to a determination. Non, je ne laisserai pas no, les murailles en ruine.
the walls into ruins. Je ne laisserai pas les murailles en ruines. I will not leave the walls in ruins. Non. Hein? Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Alléluia. Oui, oui. Oui, comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Lorsque l'église est en train. When the church is. C'est-à-dire, lorsque l'église du temps de la fin est en train d'être brisée. Les liens sont en train d'être brisés. Qu'est-ce que Néhémie fait? Il what dit, je ne peux pas rester comme he ça. Say, I cannot keep. Mais je dois me lever quiet, et partir. Lorsque je vois le ciel étouffé, lorsque je vois que le ciel ne monte plus, when I saw that lorsque not coming les bien-aimés ont perdu les premiers when amours, the people, je the dois first me lever love, et first love, me bâtir. I have to wake up and build. Et que ces portes sont consumées par le feu. Voilà, c'est bon. Maintenant, Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Je lis au nom de Jésus. À ta résolution répondra le succès. Néhémie a pris une résolution. Néhémie has took a resolution. Néhémie a pris une résolution. He took a et resolution. La résolution de Néhémie. The resolution for Néhémie. C'est de se lever. Is to let et repartir. Get up and to build. Quelle est ta résolution? What is your resolution? Ma résolution est de me lever et de rebâtir. Et de bâtir. My decision is to rest, est get up and build. Résolution. What is yours? Parle, parle. Acclame le Seigneur Jésus pour clap ta vie. The Lord Jesus for your life. Notre résolution, c'est de nous lever. Our decision lorsque is les to fils win. De la maison when voient the son la of the maison house, est en train de house, se couler, who is destroying, il ne doit pas aussi s'affaiblir. They will not be weak. Si nous nous affaiblissons, if il va rebâtir. Qui va œuvrer pour le Seigneur? Who will work for the Lord? Qui va continuer l'œuvre de Dieu? Who will continue the si work tu te of God? Décourages if et tu abandonnes, yourself and leave, tu vas pour ta perdition. You are going for your lose. Oh, la Bible dit, ne quittez pas votre assemblée. The Bible says, "Don't leave nous yourself. Nous leverons et we nous partirons. And we will build. Ça c'est la vocation de this de is the calling of Nehemiah. C'est pourquoi l'Écriture dit à tes résolutions. Why the Scripture says for your resolution. Quelles sont tes résolutions? Est-ce que tes résolutions sont what are your resolutions? Est-ce que tes résolutions travaillent pour l'unité? What your travaille pour la cohésion? Are they travaille pour la for paix? Cohesion, travaille pour l'amour? Peace? Si tes résolutions ne travaillent pas pour la paix, if they are not l'amour, for peace, la for charité, love, for charity, lorsque les liens ne, on ne voit pas les liens tissés, if you don't see the link cela through, doit t'inquiéter. Et tu dois revenir you, and you et come back, te lever and we, pour get que nous up, puissions ensemble. And rébâtir. That we will build. C'est ça nous devons faire. It's what we should ça, do. Ça c'est la vocation de Néhémie. It is the calling of Néhémie. C'est pourquoi Néhémie en ayant cette vocation, it's where Néhémie a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Has clothed at the power of the Holy Spirit. Lisez-moi Ésaïe 11 le verset 2. Get read the book of Isaiah. Dieu va mettre un esprit sur Néhémie. God will put an spirit on Néhémie. Oui. En réalité, selon la révélation, Néhémie est aussi Jésus. Nehemia qui a été introduit Jesus, à Jérusalem pour rebâtir in Jerusalem to rebuild, le temple de son corps. The temple of his puisque body. Même après le bâtissement because que Nehemi et Ezra et tout le peuple avaient fait, building, il y a eu encore des destructions. Zorobabel va aussi intervenir. Zorobabel aussi il fait face à plusieurs oppositions. He will make many oppositions. Et il y a une période de plus de 400 ans qui sépare ce temps. 400, mais lorsque Christ va être introduit dans le monde, when Christ, will come Christ into dit the world, ce temple c'est moi, mon corps. He said, my temple, this temple is my body, mine. Ce temple sera détruit it et en trois jours je le rebâtirai. And in 3 days, I will oui, rebuild it. Lisez. Ésaïe 11, verset 16. Oui. Et il y aura une route pour le roi de ce peuple. Non, Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Pour nous lever et nous et rebâtir. To get up and rebuild. Voici l'esprit avec lequel nous allons travailler. This is the spirit with whom we un esprit quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse, d'intelligence. Spirit of wisdom and understanding. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Spirit of counsel and mind. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Spirit of knowledge and fear of the Lord. Donc Néhémie a pris ses résolutions. Néhémie a taken pour que ses résolutions répondent au succès. That decision coming to success. Je vais répondre sur Néhémie un esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de crainte, un esprit
de force, spirit of strong, un esprit de connaissance, spirit of knowledge, un esprit de science, spirit of science, pour œuvrer, to work. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le fruit now, what de is cette the fruit résolution, of that resolution de Néhémie? Of Nehemiah. Nehemiah ayant pris la résolution. Nehemiah took in that decision. Nehemiah était la résolution de Nehemiah était caractérisée those par. Resolution were characterized by la compassion. Compassion. La compassion. Compassion. Nehemiah avait compassion des ruines de Jérusalem. It has compassion of the ruins of Jerusalem. Alléluia. Amen. La miséricorde. Mercy. L'engagement. Engagement. La détermination. Determination. La bravoure. La the bravoure, courage, the courage, la hardiesse, the hardiesse, le courage, the courage, la vaillance, strongness. Voilà les caractères those are the characters que le Saint-Esprit avait donné à Néhémie. The Holy Spirit had gave to Néhémie. Que le Seigneur nous accorde l'esprit may de sagesse, the God give us all the spirit of l'esprit wisdom, de connaissance, de science, the spirit of de crise, knowledge, of science, of fear, de force, of strong, pour nous lever et rebâtir. Get up and build. Et c'est là, à nos résolutions, Dieu accordera le succès. Our decision, God will give the success. Maintenant, qui est ce Néhémie selon la révélation? Now, who is that Nehemiah like the revelation? Qui est ce Néhémie selon la révélation? Who is that revelation? That ce Néhémie selon la révélation, this Nehemiah is tous ceux qui everybody sont conduits par l'Esprit de Dieu. Every person who is de la même manière que Néhémie ayant pris la résolution a été revêtue des caractères du Saint-Esprit, c'est de cette même manière qu'aujourd'hui, nous qui today, prenons la résolution, we who took in the decision, Dieu nous envoie le Saint-Esprit God is giving us the pour Holy que nous Spirit soyons conduits par le Saint-Esprit. That will be led by the Holy Spirit. Dis, je suis ce Néhémie de cette génération. Say, I'm that Néhémie of this generation. Je suis le Néhémie de cette génération. I'm the Néhémie of this generation. Je suis le Néhémie de cette génération. I'm the Néhémie of this je generation. Ne me tairai pas. I'm not lorsque je vois when I see la maison de Dieu être the brûlée. House of God being burnt, je ne me laisse tairai pas. I will not lorsque try je vois les ténèbres when I saw commence darkness, à influencer la maison de Dieu. Using the house of God. Je ne me tairai pas. I'm not quick quiet, mais je me lèverai. But I will wake up. Je me relèverai. I will get up. Et je vais travailler avec mes frères. And I will walk with my brothers. Nous étant des pierres vivantes, we being a living nous soul, allons coordonner l'assistance. We coordinate the assistance avec des liens de perfection by et d'amour. The joining of perfection les liens and love de paix. By the link of peace. Pour relever les murailles. To lift acclame the wall. Le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Donc selon la révélation, according to revelation, le Néhémie par excellence. From Nehemiah by c'est Jésus-Christ qui s'introduit à Jérusalem pendant le temps où il était venu accorder le salut. In time when he's coming to give et salvation, il renversait, détruisait and destroying, et reversing. Il mettrait de l'ordre dans le temple. And putting order into the temple. Mais but pour nous aujourd'hui, for we today, selon la révélation spirituelle, according to the spiritual selon la doctrine du Seigneur, and the doctrine of Lord, oui, c'est ce Néhémie, c'est nous. This Nehemiah is pourquoi us. Parce que nous sommes aussi conduits par le Saint-Esprit. Because we too were led by the Holy Spirit. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Jesus was driven by the Holy Spirit. Nous aussi, nous sommes conduits. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, we too were led by the Holy Spirit. Nous sommes revêtus des caractères du Saint-Esprit. And we que Néhémie avait reçu. The Holy Spirit that Nehemiah had received. Que Néhémie avait reçu selon Ésaïe 11. That Nehemiah had received like Isaiah 11. Donc je suis ce Néhémie de cette génération. Me, I'm that Néhémie. L'apôtre Paul est le Néhémie de cette génération. Apostle Paul also. L'évangéliste Jean Gratien est le Néhémie de cette génération. Also. Le pasteur Apollos pastor est le Néhémie de cette génération. Le pasteur Luc, pastor Lou, tous les ministres de Dieu ministers et toute l'Église forment le Néhémie de cette génération. And all the church is composing the Néhémie of this generation. Romains 8:19 dit quoi? Romans 8 verse 19 said. Nous sommes déjà à la fin de l'enseignement. We are going, we are the end. Mais il y a des éléments pour nous aider dans la prière. But we need some element to help us nous allons lister ces éléments avant de prier. Oui? We should read it. Romains 8 verse 19. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, oui, la révélation des fils de Dieu. Ah, la création attend avec un ardent désir, the creator la révélation des fils de Dieu. The manifestation of the Son of God. Alléluia, nous sommes ces fils de Dieu. We are the Son of God. Qui sommes conduits that par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. De la même manière que Néhémie et ses by ouvriers. Néhémie et les Juifs se sont levés pour rebâtir la ville de Jérusalem. The word of Jerusalem. Mais en notre temps,
In our time, nous sommes ses chrétiens. We are his Christians. Fils de Dieu. Son of God. Qui nous levons avec Jésus-Christ. That gets up with Jesus. Pour relever, pour rebâtir. Pour rebuild. Pour élever les murailles. To lift the wall. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to maintenant, the Lord Jesus. Selon la révélation. Now according to revelation. Quelle est la mission des fils de Dieu? What is the mission of quelle the son la mission of God? De ces Néhémie? What is the mission of those Néhémie? Du temps de la fin. Of the time of the end. Quelle est la mission que Dieu t'adresse? What the mission God is giving de l'église du temps de la fin. Being an enemy of the toi, time fils of de Dieu, rempli du Saint-Esprit. You son of God, full of Holy Spirit. Alléluia. Amen. Selon la révélation. According to the revelation. D'abord, selon la connaissance. According also to the knowledge, firstly. Nous devons nous lever. We should rise up. Nous devons nous lever. We should get up. Levons-nous. Let ça c'est la détermination, la vocation de Néhémie. That is the determination. Mais quelle est la feuille de route du levons-nous? What is the proof of quelle est la mission du levons-nous? What is the mission of let get up? Voici la feuille de route. This is that. Le but c'est le rebâtissement. Comprenez ça. Is to build. Le but c'est le rebâtissement. The goal is to build. Maintenant quelle est la feuille de route? What is the cheat of road? Les ennemis de cette génération feront quoi? The enemy of our generation, what they will do? La reconstruction de la ville. They will rebuild the town. Notez. La reconstruction de la ville. Rebuilding of the town. C'est-à-dire that means l'église, the church, l'édifice spirituel. Will become a spiritual building. Et quand on parle de reconstruction, when we are talking nous voyons les dons spirituels building, réunis. We saw the spiritual nous voyons together. Les ministères d'autorité réunis. We saw the ministry of authority nous voyons tous les dons spirituels we saw et tous all les ministères spiritual gift and all comme un solide assemblage. Like a solid selon Ephésiens 4, gathering, le verset 11 à 16. Like Ephésiens 4, verse deuxième, nous devons la mission, c'est éteindre le feu étranger. The mission is to quench this foreign fire. Le feu étranger, c'est-à-dire le feu étranger qui consiste au mauvais enseignement, aux mauvaises conceptions de l'œuvre de Dieu dans l'église. A bad lesson, si autrefois nous avions d'autres perceptions, if you have a good perception, qui créaient des désaccords, who is giving ou bien qui opèrent pour la ruine de l'église. Oh, s'il y avait la négligence. It have neglecting. S'il y avait le refroidissement. It is have cooling. S'il y avait les mésententes. It has not accepted. Qui sont des feux des étrangers. Who are foreign nous devons fire. Éteindre ce feu étranger. We should quench this foreign fire. Trois. Third. Réparer les murailles de l'église. We should repair the walls of the church. Par l'établissement. By the establishment, la reconstitution des fonctions, or the reconstitution of offices, l'accroissement and solide assemblage, of the solid gathering. La réparation est fait partie de la reconstruction. The repression belong to the. Tous les dons spirituels doivent travailler. All the spiritual pour élever la muraille. To work, to lift. Alléluia. The amen. Quatre. Four. Rassembler tous les exilés de l'église. Gathering all exiled people of the pour qu'ils retrouvent un refuge. That they will find a new refuge. Néhémie 1, le verset 9. Lisez-moi Néhémie 1, 9. 1, verse 9. Alléluia. Amen. Oui. Néhémie 1, verset 9. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés, à l'extrémité du ciel. Lorsque si vous êtes exilés, ou bien si nous when savons you are casing, que des frères et sœurs ont été exilés we know that de leur propre gré, ou bien ont été exilés de diverses manières, by some manner, sachant que knowing il y a des runes dans les murailles, alors que faire? What we do? Continuez. De là, je vous rassemblerai. Le rassemblement. Oui. The recovering. Et je vous ramènerai dans parce le lieu. Parce que tous les fils de Dieu doivent bâtir. Because all the sons of God should il faut un rassemblement des fils de Dieu. We need a c'est ça la révélation des fils de Dieu. Oui. Is what we call resurrection of son of God. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alléluia. Amen. Maintenant. Now. Cinquième. Five. Fifth. Ressouder à nouveau les pieds effondrés. We should join again ressouder all the à nouveau les pierres effondrées. We should join again les the pierres stone qui ont été murailles renversées. The stone who were les ressouder. The walls. Parce que l'Écriture parle du solide assemblage. The scriptures talk about maintenant, the quand solid le solide assemblage gathering, a été dispersé, when the solid gathering on voit la dispersion, and we saw il that, faut faire quoi? We should ressouder à nouveau. Do it again. Put, join it c'est again. C'est-à-dire
That en, means, en même bref mot selon la révélation, in a word, according to revelation, et selon la doctrine, according to il doctrine, s'agit bien du ministère de la réconciliation. The ministry of reconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Corinthians 5, nous sommes déjà à la fin. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame the Lord Jesus. Nous sommes déjà vers la fin de notre enseignement. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde Christ avec lui-même. D'abord ce Néhémie. Réconciliant le monde avec lui-même. Oui. En n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Christ n'a. Voilà, continue. Et il a mis en nous. Et Christ met en nous les fils de Dieu. Christ, put on her, Christ met en nous, nous les Néhémies oui, du temps de la fin. Of the time, Christ met en nous quel esprit, quelle parole. La parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. The word of reconciliation. Continuons. Let's gloire continue. À Jésus. Amen. Maintenant, quelle est la mission de Néhémie? What is que the mission of Néhémie that que signifie le levons-nous? What lorsque nous levons, qu'est-ce que nous devons faire? When we get up, what we should do? Établir les liens brisés. We should reestablish the link afin de rebâtir le corps du Christ. To build again the body of commençant Christ. Par les cinq ministères d'autorité. Starting by the five ministries of authority. Le lien brisé. The broken link. Et les membres du corps de Christ. And formant the members of Christ assemblage. Forming a solid gathering. Après, rétablir la paix, l'unité et l'amour. Establish peace, unity and love. Instaurer à nouveau. Install again. Ce que Néhémie a fait. C'est ce que Néhémie what, a fait. What Néhémie has selon done, la connaissance de l'histoire according de Jérusalem. The knowledge of Jerusalem. Mais pour nous aujourd'hui, but for voilà we ce today, que nous les Néhémies du temps de la fin ferons. It's what we should do. Instaurer à nouveau. À nouveau. We should install le fondement de la loi the du foundation Seigneur. Of the law of the Lord. Puisque après que Néhémie a rebâti, Néhémie a relu le discours de la loi. He read again oh, the nous savons que la loi était l'homme des choses à venir. We know that the law is the umbrella donc, quelle of est la come. Loi qui sera à nouveau bâtie? What is the law la sainte doctrine. It is the sang doctrine de Jésus-Christ of Jesus Christ. Basée sur la foi, based on faith, l'espérance on hope, et l'amour. And love. Le renouvellement de l'alliance avec the le Seigneur. Ça, c'est la fin du levons-nous. Le it's but du levons-nous, c'est de faire toutes ces choses. The goal is to do mais all c'est le rebâtissement qui va mettre en exergue tous ces plans. The rebuilding will make Putin plateaus all those plain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Pourquoi? Parce que Néhémie, why? Because selon Néhémie, l'histoire de Jérusalem, according to après avoir posé le fondement de la loi, before putting the foundation of law, a aussi participé avec Ezra, le sacrificateur, the sacrificator, et le scribe de la loi, the scribe of the law, la nouvelle alliance, non, c'est-à-dire rétablir l'alliance re-establish qui était brisée, l'alliance that de la were loi broken, qui était brisée that were broken, à cause du péché du peuple. Because of the sin of mais the quelle people, alliance sera rétablie pour l'Église? L'alliance de la saine doctrine, it will be the basée covenant sur of the sound la nouvelle alliance en Jésus-Christ, based on the new covenant basée sur le Jesus, pardon, based on the la miséricorde, on mercy, la sainteté, on holiness, gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Alléluia. Amen. Maintenant, now, nous allons comprendre quelque chose à la fin de cet enseignement. What we should know at lorsque Néhémie a pris cette résolution, when Néhémie took that resolution, selon l'histoire de Néhémie, according his story, qui sont ceux qui ont lu tout le chapitre ici? Yeah. Alléluia. Amen. Néhémie a rencontré des oppositions. Néhémie has faced et aujourd'hui, many dans l'église du temps de la fin, today in the church l'église of qui se lève pour le rebâtissement subit des oppositions. For rebuilding a facing opposition. Lisez-moi Néhémie 2, le verset 10. Let's read the book of Nehemiah 2, verse 10. Demain, l'orateur viendra encore nous détailler les oppositions de Néhémie lors du rebâtissement. Mais nous sommes en train de comprendre ici les we oppositions que Néhémie a rencontrées lorsqu'il dit « Levons-nous ». Il n'a même pas encore commencé à bâtir, mais il a reçu ses oppositions. And he received all the opposition. Oui. Néhémie 2, verset 10. Sambala le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'agneau a pris, eu un grand déplaisir. Un grand déplaisir. Brute oui. De ce qui venait un homme oui. Pour chercher le bien des enfants d'Israël. Nous sommes les fils de Dieu qui voulons le bien de l'église du temps de la fin. Well nous voulons le bien du réveil. We need the good of the mais Sambala et Tobija vont se lever. But Sambala and Tobija will run. Il y a un déplaisir. Il ne veut pas voir they have, they have les murs qui étaient en ruine se they don't want to see the room rebâtir. Be built again.
Oui, lisez encore le verset 19. Verse 19. Verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informé. Donc les Arabes, les Ammonites, Tobija, Sambala, Tobija, eux tous se sont ligués, oui. En ayant été informé. Se moquaient de nous. Se moquaient de l'ennemi, de l'église. Ça, c'est les œuvres de la sorcellerie dans l'église. Qu'est-ce qu'ils vont dire lorsqu'ils voient les fils de Dieu se lever what they will say that pour rebâtir? Oui. Son of God building. Et nous méprisaient. Ah, le mépris. Despite. Hein? Vous voulez rebâtir quoi? What you want vous to? Ne faites que bâtir, you bâtir, build, bâtir, et ça ne donne rien. And don't give in anything. Maintenant que nous connaissons les clés, now, when we know the keys, les clés des liens, nous connaissons déjà les liens. Rien ne peut plus empêcher. Nothing will not empêche. Oui. Il dit, que faites-vous là? Ah. Vous révoltez-vous contre le roi? Uh-huh. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Amen. Bien-aimé Christ soit dit, le Dieu des cieux nous donne le succès. The God of le Dieu des cieux nous donne le succès. The God le Dieu des cieux nous donne le succès. The God of heaven. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Lord for your life. Néhémie 4, le verset 1 à 2. Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. La colère des sorciers. La colère des démons. The hunger la colère des satanistes. La colère des méchants. The hunger de ceux qui ont une apparence de piété, mais dedans, c'est le contraire. And inside this country. Oui. Il se moqua des Juifs. Les moqueries. Mockery. Vous parlez de réveil. Mais chaque fois, revival. On voit les divisions. Anytime on voit les scandales. It is scandal. Voilà ce que disent les sorciers. This word les esprits méchants contre l'église. Parce que against the ils church. Sont aussi à la base. Because they are into the base. Oui. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaille... C'est bon, c'est bon. Le 7 et le 8. Verset 7. Mais Sambala, Tobija, uh-huh. Les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités. Ils étaient irrités, hein? En apprenant que la réparation des murs. Lorsqu'ils apprenaient que Néhémie voulait réparer les murs de Jérusalem, ils étaient en colère. Ils étaient irrités. De la même manière que notre jeûne de trois jours que nous faisons fait mal aux ténèbres. Parce qu'ils voient que nous voulons travailler comme Néhémie. Aucune frayeur des princes du monde des ténèbres. Aucune sorcellerie. Aucune colère de l'ennemi. Aucune irritation de l'ennemi. Ne pourra empêcher les filles de Dieu. L'ennemi de la génération du temps de la fête de se lever et de rebâtir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Neuf. Non, c'est bon, laissez le 9. Demain, nous allons comprendre ça. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc, Saint Sambalao, l'Antobija, all vos Sambalat, all vos Tobias, les Ammonites, all vos Ammonites, les Astodiens, all vos Astodiens, et les Arabes, and all vos Arabes, en réalité, selon la révélation, really, sont les to the agents du diable, are the agents sont of les darkness. Sorciers, they are witch, les ennemis de l'église, the enemy of church, les ennemis du réveil. The enemy of revival. Comment les hommes peuvent combattre un réveil. How people can fight against revival. Ça, c'est la sorcellerie. It is a witchcraft. Je parle du combat spirituel. I'm talking of spiritual je ne parle fighting. Pas de ce que nous voyons physiquement I'm not talking for what we are sur les réseaux sociaux ou on social network. Ou, je parle de ceux qui font ça discrètement. I'm talking to eux, those who make ils ne le montrent pas sur les écrans. They are not showing into screen. Mais eux le font en réalité. But they're doing in reality. Dans les lieux secrets. On the hidden places. Et montrent une apparence de piété. They are showing c'est là nous parlons de l'infiltration. It's what time you're talking about des esprits méchants bad spirit dans l'église. Into church. Mais par la résolution que nous avons prise, by the decision we took, les œuvres sont anéanties. The work was destroyed. Donc, leur but, la mission dimension, des Sambala dans l'église. Of Sambala ils sont church. Pleins dans l'église du temps de la fête. There are many into the church of end. Leur mission, c'est quoi? The mission is what? Détruire l'œuvre de Dieu. Destroy the work of God. S'opposer à l'unité des fils de Dieu. On the unity of the les, moqueries, of les moqueries. Mockery. Les railleries. Mockery. Les mettre des pièges. Put in traps dans l'église contre into les élus. The church, against the elected. S'aimer la confusion dans l'église.
put confusion manipuler les fils de Dieu. Manipuler les fils de Dieu sont remplis du Saint-Esprit. The sons of God are full of Holy Spirit. Ne peuvent être manipulés. They cannot be manipulated. Éteindre les dons spirituels. Quench the spiritual gift. Semer l'assoupissement. Seed the war. Déstabiliser les édifices spirituels. Destabilize the spiritual. Par leur sortilège. Building by the voilà l'œuvre de la sorcellerie. This is the work of. Voilà l'œuvre des Tobija. This des is Sambala, the work of Sambala. Des Astodiens. Des Ammonites, for Ammonites, des Arabes. But Arabes. Ah, ce ne sont pas des Arabes physiquement. It is not puisque physical Arabes. Selon la révélation, tout est spirituel. According voilà leur mission contre l'Église du temps de la fin. This is their mission against the church. Donc ce soir, nous allons prier pour détruire leur œuvre. We will pray to destroy their work. Toute œuvre de sorcellerie dans ta vie. Any work of witchcraft pour éteindre ton réveil spirituel. To quench your spiritual revival. Pour éteindre le réveil spirituel dans l'Église. To quench the spiritual revival. Leur place est anéanti. The place where the. Donc nous allons prier sur ces choses. We will pray on those things. Néhémie 4, le verset 4 à 5. Néhémie 4, verse 4 till 5. Nous sommes à la fin. Néhémie 4, verset 4. Oui. Écoute, oh notre Dieu. Mm-hmm. Quand nous sommes méprisés, fais retomber leurs esprits. Oh notre Dieu, quand nous sommes méprisés oh, par God, l'ennemi, par les œuvres des ténèbres, by the work of par darkness, l'hypocrisie spirituelle, by spiritual hypocrisy. Oui. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Their reproach upon their own head. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. For a prey in a land of captivity. Ne pardonne pas leur iniquité. Ça, c'est le combat dans la loi de Moïse. The fight aujourd'hui, the law c'est Moses. Spirituel. Today, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. We don't need to fight mais nous allons combattre contre les œuvres des ténèbres. We'll fight again qui s'élèvent contre l'Église. Qui s'élèvent contre ton corps. Qui est une pierre vivante. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc, c'est Sambala. Vos sambalades, vos stéphanes, arabes et autres sont dans l'église du temps de la fin. Are into the church of the end times. Mais le Seigneur dit, but the Lord ne said, prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, don't take part of the mais plutôt condamnez-les. But condamn them. Nous allons lire quelques versets et finir l'enseignement. We should read some verse and end the teaching. Lisons le livre de Psaume 44, verset 6. Let's read the book of Psalm 44, verse 6. Levons-nous. Let's get up. Et soyons victorieux. And be victorious. Oui, Psaume 44, verset 6. Psaume 44, verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Seigneur, avec toi, nous renversons nos ennemis. With you, Lord, we rest our qui sont les ennemis? Les Sambala. Our enemies. Les Tobija. Tobija. Les Arabes. Les Assodiens. The Arabic. Les Ammonites. The Ammonites. The Assodiens, and so on, so far. Oui. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Qui sont nos adversaires? Les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. The princes of the darkness world. Mm-hmm. Psaume 74. Donc, lisez d'abord Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes choses? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? What will say facing all those things? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, if God si Dieu est pour l'Église de la Sainte Doctrine, for the Church of Sound oui, Doctrine, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Who can be against acclame us? Le Seigneur Jésus. Acclame the Lord si Jesus. Dieu est avec toi, if God is with qui you, sera contre toi? Who will be against si you? Dieu est avec moi, if God is with me, qui sera contre moi? Who will be against me? Oui, c'est bon. Maintenant, lisez Psaume 60, verset 14. Now, Psalm 16, verse 14. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec Dieu, with Jesus Christ, dans le Saint-Esprit, in the Holy Spirit, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. He'll destroy il écrase nos ennemis. He'll destroy our il met sous nos pieds nos ennemis. Put under nos ennemis feet. Sont sous notre he marchepied. Put under feet et nous les dominons. And we dominate nous them. Les écrasons. We dominate nous them. Les détruisons. We destroy nous les them. Renversons. We reverse et Jérusalem, and Jérusalem est rebâti. Was l'église, ton corps est rebâti. The church, ton corps qui avait été outragé. L'église qui avait été. Les murailles qui ont été renversées se sont relevées. Et nous voyons la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Parce que nous sommes l'ennemi de la dernière heure. Nous sommes
l'ennemi du temps de la fin. Je suis l'ennemi du temps de la fin. Pour me lever. Et ce soir, je me lève. And today I want work. Et je mets en exergue la feuille de route que m'a été tracée, qui m'a été tracée par Jésus-Christ. Je travaille pour voir les murs de la Jérusalem spirituelle qui est l'église être rebâtie. Que la gloire soit rendue à Jésus. May the glory be given to Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord.